Bienvenue sur la chaîne d'information partenaire. Les sécheurs d'air comprimé par adsorption. Dans cette présentation, nous allons étudier le fonctionnement des principales technologies de sécheurs par adsorption disponibles sur le marché. Avant toute chose, il convient de rappeler ce qu'est l'adsorption. L'adsorption de la vapeur d'eau, c'est la rétention des molécules d'eau à la surface d'un produit poreux dénommé dessiquant. Dessiquant est un nom générique. Le dessiquant le plus usité est l'alumine activée, qui se présente sous la forme de petites billes blanches. D'autres types de dessiquants peuvent être utilisés. Il y a deux autres grandes familles de dessiquants, qui sont les gels de silice d'une part et les tamis moléculaires d'autre part. L'adsorption va produire une réaction exothermique, c'est-à-dire qu'elle va produire un dégagement de chaleur, et le dégagement de chaleur sera fonction de la quantité de vapeur d'eau adsorbée, mais également du type de dessiquant employé, certains dessiquants produisant plus de chaleur que d'autres. Dernier point important, l'adsorption est un phénomène qui est réversible, c'est-à-dire que le dessiquant ne change pas d'état, il ne fond pas, il est régénérable par un balayage d'air sec, qui sera utilisé tel quel ou avec un apport calorifique, c'est-à-dire une source de chaleur, puisque un air de température élevée peut reprendre beaucoup plus de molécules d'eau. On utilisera donc dans ce cas moins d'air comprimé pour la régénération dès lors qu'il y aura apport calorifique. Alors nous avons ici le synoptique d'un sécheur par adsorption sans chaleur, c'est-à-dire un sécheur dit PSA ou Pressure Swing. On voit qu'il est composé de deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Quatre vannes en partie basse. L'air donc va être dirigé sur le sécheur en partie basse et il sera acheminé sur soit la colonne A, soit sur la colonne B au moyen du jeu de quatre vannes ici qui se trouvent en partie basse. En sortie de cette colonne, l'air aura été séché et sera distribué au réseau en passant par un jeu de clapets anti-retour. Et sous ces clapets anti-retour se trouve une petite bretelle, qu'on appelle bretelle de balayage, qui est destinée à prendre une petite partie de l'air sec en sortie de sécheur pour l'injecter dans la colonne qui va être en phase de régénération. Et c'est cet air sec qui va se recharger en humidité et qui vient donc régénérer le dessiquant. Donc nous allons voir sur l'animation ici que l'air comprimé rentre par le bas, passe par la vanne gauche d'entrée, remonte la colonne A, donc là la colonne est sous pression, et on voit que ça absorbe au fur et à mesure du cycle on voit les petits points bleus qui symbolisent les molécules d'eau capturées par le dessiquant. L'air sec donc sort par le clapet anti-retour et est distribué au réseau. Une petite partie de l'air sec est réinjectée dans le réservoir B, à pression atmosphérique, et cet air va donc reprendre les molécules d'eau qui vont être évacuées du sécheur par un silencieux d'échappement pour éviter les nuisances sonores. À la fin du cycle, on voit que la vanne se referme, le réservoir B remonte en pression, ce qui va permettre ensuite d'inverser le cycle, c'est-à-dire la colonne qui vient de séché va passer en phase de régénération et la colonne qui vient d'être régénérée va passer en phase de séchage. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant ici. Et donc le cycle continue, mais cette fois-ci inversé, c'est la colonne B qui va sécher l'air et la colonne A qui va être régénérée. De cette manière, on peut procurer un débit d'air sec continu en alternant le séchage et la régénération sur les deux colonnes. Alors voici à quoi ressemble un sécheur par adsorption sans chaleur. On a nos deux réservoirs sous pression qui sont des réservoirs qui ne sont plus des réservoirs à pression simple puisque la directive des équipements sous pression impose maintenant un calcul de fatigue. Nous avons des manomètres de contrôle qui vont permettre de voir dans quelle phase se trouve la cuve droite ou la cuve gauche, si elle est en phase de régénération, de repressurisation, on le verra en fonction de la pression qui règne dans la cuve. Le programmateur électronique, lui, va assurer le pilotage des vannes, et de cette manière, faire passer l'air d'une colonne à l'autre. Ici, nous avons sur cette série un débit de purge qui est réglable en fonction de la pression de service.
Une filtration amont aval qui est indiquée optionnelle mais qui est impérative. En fait, l'option ici signifie simplement que ces filtres ont été montés sur le sécheur, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les sécheurs. Mais quoi qu'il en soit, une filtration est impérative devant les sécheurs par adsorption. Nous avons aussi en dessous les électrovannes de pilotage et ensuite les vannes de régulation qui vont diriger l'air d'un côté ou de l'autre de la cuve. Et enfin, au milieu, en partie basse, on aperçoit les silencieux d'échappement destinés à atténuer le bruit lors des phases de dépressurisation et de régénération. Donc, le sécheur sans apport calorifique, procure de nombreux avantages. C'est un procédé qui est extrêmement simple. On a quatre vannes, deux clapets anti-retour. On peut le mettre en service et l'arrêter pratiquement sans contrainte. Il n'y aura pas de phase d'attente pour des phases de refroidissement normalement. On peut en faire des versions ADF, c'est-à-dire utiliser des vannes et un programmateur à pilotage pneumatique, donc sans électricité. L'inconvénient de ce système est qu'il consomme de l'air comprimé, puisqu'il faut environ 15% d'air comprimé pour régénérer le sécheur, c'est-à-dire que l'air sec disponible à l'utilisation ne sera que de 85% de l'air qui rentre dans le sécheur. Ici, nous avons un sécheur par apport calorifique interne, c'est-à-dire que on a ajouté dans les cuves des résistances chauffantes isolées du dessiquant s'entend, mais inséré dans des doigts de gants avec des petites ailettes qui vont permettre de répartir de manière homogène la chaleur produite par ces résistances chauffantes. L'avantage est que on va chauffer la masse de dessiquant et donc on va chauffer l'air de régénération. Cet air étant beaucoup plus chaud, on a besoin de beaucoup moins d'air pour le recharger en humidité. Donc, on va passer d'une consommation d'air de 15% à environ seulement 2% de la capacité totale du sécheur. Et le débit de 2% sera constant tout le long du cycle, ce qui fait qu'il n'y aura pas de manque pour la production avec ce type de sécheur. Donc, si on visualise le cycle maintenant, le cycle, tout d'abord, est important de le préciser, va durer non pas 5 minutes comme on l'a vu tout à l'heure, mais va avoir une durée d'environ 4 heures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre de charger le dessiquant beaucoup plus puisqu'on aura une énergie complémentaire pour le régénérer, ce qui ne serait pas possible avec un système sans chaleur. Donc, nous démarrons ici le cycle. On voit que la colonne B est en phase de régénération et on voit tout de suite que les résistances chauffantes donc, vont procurer de la chaleur et faire monter le lit de dessiquant en température et chauffer également l'air de régénération. La colonne A, elle, est en phase de séchage en même temps et elle va absorber de la même manière qu'on l'a fait sur un sécheur sans chaleur. Ici, nous avons une phase supplémentaire qui va être la phase de refroidissement, c'est-à-dire que les résistances vont se couper et on va évacuer la chaleur qui était contenue dans la cuve, de manière à ce que lorsque l'on va inverser le cycle, eh bien, la cuve soit à la température ambiante, ou du moins à la température de l'air comprimé. Voilà, le cycle s'est inversé ici, on voit que c'est la colonne A qui était en phase de chauffe, maintenant en phase de refroidissement. Et c'est la colonne B qui est en phase de séchage, sous pression. Voilà, ce système permet donc d'économiser une grosse partie de l'air par rapport à un sécheur sans chaleur, hein, encore une fois, 2% comparé à 15%. Et c'est un système très économique et conçu pour des applications qui tournent 24 heures sur 24. Là, on va voir une vue de ce sécheur. Donc, il ressemble, j'allais dire, presque comme deux gouttes d'eau à l'autre sécheur sans chaleur. La seule différence, c'est qu'on voit ici qu'il y a quatre thermostats sur le coffret de contrôle. Et ces thermostats vont contrôler la température de chauffe dans les colonnes, de manière à rester dans la plage optimale pour la régénération du dessiquant. On a ici une vue prise par le dessus du réservoir.
de l'intérieur des cuves, où l'on voit ici les tubes à ailettes avec les diffuseurs de chaleur. Et on voit très bien que ici les résistances ne sont pas en contact avec le dessiccant, mais entièrement isolées. Ce sont les tubes qui vont diffuser les calories dans le dessiccant. Alors on voit ici le coffret en vue rapprochée avec les voyants qui vont nous indiquer ce qui se passe sur le sécheur. Est-ce qu'il est en phase de séchage? Est-ce qu'il est en phase de chauffe? Est-ce qu'il est en phase de refroidissement? On a les quatre thermostats ici qui nous donnent la température en partie haute et en partie basse de chaque cuve. Et on voit au milieu ici un économiseur d'énergie, c'est-à-dire que ce sécheur ici est équipé d'une sonde hygrométrique qui va permettre de ne déclencher la régénération du sécheur que si le point de rosée demandé par le client est dépassé. C'est-à-dire que si à la fin du demi-cycle de 4 heures, le point de rosée est toujours en dessous du seuil demandé, eh bien le sécheur va rester ce qu'on appelle en mode attente. Il va continuer à sécher sur la même colonne pendant plusieurs heures jusqu'à ce que le point de rosée dépasse le point de consigne et donc ne consommer strictement plus aucune source d'énergie, ni en air comprimé, ni en courant électrique. Alors le sécheur, par rapport calorifique interne, présente, comparé au sécheur sans chaleur, des avantages, notamment ce qui est consommation énergétique. On ne consomme pratiquement pas d'air, hein, juste 2%, donc le compresseur pourra être taillé entre guillemets au plus juste. Il possède des résistances multiples. Donc même si une résistance venait à lâcher, ça n'empêche pas le sécheur de fonctionner. Les tubes à ailettes permettent une très bonne répartition de la chaleur dans le lit de dessiccant. Les résistances sont protégées du dessiccant et du contact avec l'humidité puisqu'elles sont à l'intérieur des tubes à ailettes. Et on peut lui adjoindre un économiseur d'énergie pour le rendre encore plus économe. L'inconvénient est qu'évidemment, l'apport en air comprimé en électricité doit rester disponible, on le voit ici, jusqu'à la fin du cycle de régénération, c'est-à-dire que contrairement à un sécheur sans chaleur, on ne peut pas arrêter ce type de sécheur n'importe quand, puisqu'il va falloir assurer la régénération du sécheur et son refroidissement avant de pouvoir l'arrêter. On peut l'asservir, mais on ne pourra pas l'arrêter aussi de la manière aussi facile qu'un sécheur sans chaleur. Troisième type de sécheur avec apport calorifique, encore une fois, mais cette fois-ci externe, c'est-à-dire que les résistances ne seront plus à l'intérieur du dessiccant, mais on va installer une batterie de chauffe. Cette batterie de chauffe va chauffer de l'air ambiant qui va être pulsé par un ventilateur et qui va être ensuite injecté à l'intérieur des cuves de dessiccant. Ici, nous n'aurons qu'une seule batterie de chauffe pour les deux cuves et un motoventilateur qui va faire passer l'air ambiant au travers de cette batterie de chauffe pour qu'elle soit dirigée à l'intérieur des cuves de dessiccant. Ce sécheur n'aura pas du tout de consommation d'air comprimé, sauf certains qui utilisent quand même une petite consommation d'air comprimé lors de la phase de refroidissement. Mais pour les modèles les plus chers, il ne consomme absolument pas d'air comprimé. Alors nous avons ici la vue d'un sécheur à chauffe externe. On voit ici la batterie de chauffe qui se situe entre les deux colonnes, qui est calorifugée. Le coffret de contrôle avec un EMS, Energy Management System, donc qui permet d'ajuster le fonctionnement du sécheur à la charge hygrométrique réelle, et donc d'économiser de l'énergie. On voit ici, entre les deux cuves, sur la vue en bas à droite, un puissant ventilateur qui va, lui, aspirer de l'air ambiant et le pulser au travers de la batterie de chauffe pour le diriger à l'intérieur des colonnes de dessiccant. Ici, les réservoirs sont calorifugés, ce qui est généralement une option et rarement fourni en standard sur ce type de sécheur. Alors, ce type de sécheur possède évidemment des avantages et des inconvénients, comme les deux autres. Ici, nous n'avons aucune consommation d'air comprimé, qui est un avantage certain, comparé à 2% par rapport à un sécheur avec apport calorifique interne. Il est à noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que certains sécheurs d'entrée de gamme consomment de l'air comprimé lors de la phase de refroidissement, donc il convient d'être vigilant sur ce point.
Ce type de sécheur présente également une faible perte de charge du fait de l'emploi de vannes à papillons, donc avec des pertes de charge très faibles, et on peut leur adjoindre un économiseur d'énergie. Les inconvénients, et bien évidemment, comme tout sécheur avec apport calorifique, il doit y avoir de l'électricité disponible jusqu'à la fin du cycle de régénération, ce qui peut représenter une contrainte lorsque l'on souhaite arrêter ce type de sécheur. Un inconvénient non négligeable est la pollution du dessiquant par l'air ambiant. L'air ambiant pouvant contenir des poussières, des bactéries, des hydrocarbures ou de l'humidité lorsque on se trouve en période orageuse ou dans des ambiances très humides, notamment en été. Et le dernier point est le niveau sonore, puisque le ventilateur est généralement assez bruyant, ce qui peut constituer une gêne à l'intérieur du local ou pour le voisinage. Dernier point sur cette présentation consacrée à l'adsorption, ce sont les principaux types de dessiquants. Nous en avons parlé un peu en début de présentation. On va trouver trois principaux types de dessiquants, les gels de silice, les alumines et les tamis moléculaires. On voit ici que les gels de silice et les alumines ont une courbe sensiblement identique qui représente leur capacité d'adsorption en poids par rapport à 100 g d'adsorbant ici. Donc c'est-à-dire que selon l'humidité relative, le dessiquant aura ou n'aura pas une capacité importante à absorber de la vapeur d'eau. On voit ici donc gel de silice et alumine. L'efficacité lorsque l'humidité relative est faible, l'efficacité est très mauvaise. Elle est par contre très bonne lorsque les humidités relatives sont élevées. Les tamis moléculaires, eux, possèdent une courbe qui est pratiquement linéaire dans les faibles humidités comme dans les hautes humidités relatives. Généralement, les tamis moléculaires sont plus performants pour finir, entre guillemets, le séchage, c'est-à-dire lorsqu'on arrive dans des humidités relatives faibles, eh bien, dans la partie supérieure du lit, on y adjoint un lit de tamis moléculaire qui va finir le séchage et permettre d'obtenir des points de rosée très bas. Ce sujet vous a intéressé? Si vous souhaitez plus de conseils sur le traitement de l'air comprimé, retrouvez toutes nos vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet www.partenaire.fr.